Ici Hugo Saint-Jacques dans la cuisine Zest. Aujourd'hui comme recette, des frites de panais. Voici les ingrédients pour la recette. Première étape, couper le panais en quartier. J'aime bien utiliser le panais comme frite. Premièrement parce que c'est original. Deuxièmement, ça a un goût, un côté sucré qui est super intéressant à travailler. Maintenant, on va assaisonner le panais avec l'huile d'olive, le sel et le poivre. On touille le tout. Ensuite, on met en place. On enfourne de 5 à 7 minutes. Pendant que le panais cuit au four, on va réduire notre miel avec la cardamome pour le parfumer. Donc, à mi-cuisson, on tourne le panais et on remet au four 5 à 7 minutes. Pour que notre miel est bien chaud! Notre miel a infusé, la cardamome, la saveur, on coule au tamis. Alors, on voit les frites de panais qui ont commencé à colorer légèrement. C'est le bon moment pour les badigeonner avec notre miel de cardamome. On badigeonne avec amour. Et là, on remet au four 5 minutes. Wow! Quelle odeur! C'est magnifique! On termine avec un petit peu de ciboulette et c'est le moment de servir. Pas beau ça? Dans un petit sac très simple. Mamma mia! Pour d'autres idées, recettes ou même de présentation, cliquez sur le lien.